Bon, bah, du coup, ici, on est en train de faire de l'éco-pâturage avec des moutons d'Ouessant. On les voit arriver. L'idée, c'est en fait de faire de l'entretien paysager de cette parcelle, en fait. D'habitude, on vient avec des engins de fauchage et on met des agents routiers qui viennent entretenir tout ce délaissé. L'information de certains agents routiers qui venaient ici, c'était une zone dangereuse pour eux. Il y a beaucoup de dénivelés, de pentes où le tracteur pouvait chavirer. Donc on a réfléchi à plusieurs et on s'est dit, c'est parti d'un rire, de dire on va mettre des moutons. Est-ce que les moutons sont vraiment efficaces? Très efficaces, il n'y a qu'à voir le avant et le après. Ah oui, c'est net. C'est vrai que les moutons peuvent accéder sur des terrains très accidentés facilement et vont manger d'abord, dans un premier temps, l'herbe bien verte et après vont s'attaquer à la broussaille, aux ronces et tout ça. On dit qu'un mouton va entretenir 800 à 1000 mètres carrés sur une année complète. Comment le projet a été mis en place? Nous, ce qu'on voulait, c'est des animaux pas trop fougueux parce qu'on est au bord d'une autoroute. Des animaux qui sont assez résistants, rustiques. On s'est dit, on va voir ce que ça donne, si c'est vraiment efficace. Et ça l'a été, ça répond à toutes nos attentes. On peut avoir des craintes par rapport à l'autoroute, des choses comme ça, et en fait, ça se passe très bien. Sur le réseau Vinci, c'est le premier éco-pâturage ou il y en a déjà? Non, éco-pâturage, il y a plein de sortes, avec beaucoup d'animaux, mais avec les moutons d'Ouessant, c'est le premier. Mais on est en train déjà de réfléchir sur d'autres parcelles, sur le district, sur les autres régions et les autres entités de Vinci Autoroute.